I need a vacation. Come quit up the jungle, hey. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous êtes un nouvel abonné, mon nom à moi c'est Davina. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de aussi cliquer sur la cloche parce que vous voulez pas manquer aucune de mes vidéos. Non, vous voulez pas. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça va être un try and haul, comme on dit. On va essayer des maillots de bain que j'ai acheté de la marque Shein. Ça fait plusieurs fois que je vois ce magasin et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment legit? Est-ce que c'est vraiment, mais vraiment des bons maillots de bain? Parce que c'est tellement, mais tellement pas cher. On va le vérifier aujourd'hui. Alors, j'ai 4 maillots de bain que je vais vous montrer aujourd'hui que j'ai acheté. Non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai acheté avec mon argent, ok? Period. J'ai aussi une robe à essayer et j'ai un accessoire à la fin du vidéo que je vais vous montrer que j'ai acheté aussi. Les maillots de bain n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Donc si jamais ça vous intéresse de voir les maillots de bain que j'ai acheté sur le site, je vais laisser les numéros dans la barre d'infos que vous devez cliquer en dessous de la vidéo. Il va y avoir tous les détails, les grandeurs aussi des maillots de bain que j'ai choisi. La robe aussi, la même chose, ainsi que le collier si jamais je suis capable de le retrouver. À titre informatif, massif. Comme ça, je peux vous donner comme un, peut-être je serai comme un peu un guide pour vous. Je mesure 5 pieds 6. Je porte du 34C. Ma taille ici, c'est 31 inches et mes hanches sont 41 inches. Je me souviens plus en centimètres, mais si jamais je l'ai, je vais mettre la conversion ici pour vous. Je porte du médium dans la majorité de mes vêtements. Leggings, biker shorts, tout ce qui est le bas. D'habitude, je porte du large. Malheureusement, les maillots de bain, on ne peut pas choisir le haut et le bas. Ça vient ensemble automatiquement. C'est la seule chose que je dirais qui était un des points négatifs. J'ai voulu essayer une robe parce que justement, j'étais pas sûre au niveau des vêtements. Pour la prochaine fois, je ferai une commande qui sera juste vêtements pour voir leur qualité aussi. Au niveau du shipping, le shipping m'a pris à peu près, je dirais, 2 semaines, 2 à 3 semaines. J'ai juste pas reçu d'informations dans mon courriel. J'ai vraiment vérifié dans mes courriels, dans mes spams et partout. J'ai pas reçu de notification. C'est sur le site, quand j'ai mis l'application, justement pour pouvoir avoir des points et whatever, si jamais dans l'avenir j'ai envie d'acheter encore avec eux. Mais c'est dans l'application que j'ai pu voir le shipping, dans le fond, qu'est-ce qui se passait. Peut-être avec COVID, ils ont de la misère à, comment dirais-je, se mettre à jour sur leur livraison. Mais la livraison n'a pas pris vraiment beaucoup de temps. J'ai pas eu de notification. Une journée, la porte a sonné et c'était là. Donc, c'est la seule chose que j'ai à dire. Aussi, chaque maillot de bain est dans un petit sac emballé individuellement. Donc, vous voyez ici Shein, vous voyez le maillot de bain à travers le sac ici. Je trouve que c'est pratique parce que comme ça, quand vous partez en vacances, vous pouvez avoir vos maillots de bain dans le fond tous mis dans un petit sac. Je pense que plusieurs peuvent quand même rentrer à l'intérieur. Et aussi, à la fin, quand votre maillot de bain est mouillé, vous pouvez le remettre dans le petit sac. Donc, je trouve quand même, petit emballage, quand même mignon, mais aussi très pratique. Pour ce qui est du vêtement, c'est un autre emballage différent. Celui-ci aussi, mais voyez lui, il est refermable avec un style Ziploc, dans le fond, comme ça. Ici en bas, vous avez le code barre avec le numéro du vêtement ou du maillot de bain que vous avez choisi. Alors voilà, ça vient emballer individuellement chaque maillot de bain et chaque vêtement. Alors sur ce, voilà ce que j'avais à dire sur les informations de Shein. Ce sera sûrement pas la dernière fois que je vais commander avec eux. Je vais sûrement commander une autre fois. Mais si jamais ça vous intéresse de voir les bikinis et aussi la robe sur moi, je vous conseille de regarder la vidéo qui va suivre. À l'instant! Alors voici le maillot de bain numéro 1. Je vais vous faire un 360. Lui est dans une taille médium. J'aurais pu prendre un large pour vrai. Parce que la culotte, elle est quand même un peu serrée. On peut le voir ici. Je vais juste me rapprocher. Vous voyez ici. C'est quand même assez serré. Comme c'est pas inconfortable, mais un large, ça aurait vraiment été plus collé sur mes courbes, dans le fond. Je vous donne un 360 encore de plus proche. Ma couleur préférée, c'est le vert. Alors, il fallait que j'achète quelque chose de vert. C'est sûr, j'ai un autre maillot de bain qui est vert aussi. Alors, celui-là, c'est un tube, le haut. Ça vient avec du padding à l'intérieur, avec
qu'on peut retirer. Au moins, il n'est pas cousu à l'intérieur du maillot de bain. Il y a des fois, il y a des maillots de bain qui viennent cousus avec. Fait que c'est un peu dur de les retirer parce que si tu essaies de le déchirer après, tu risques d'avoir un trou dans le maillot de bain. Mais lui, il y a deux trous à l'intérieur, donc tu peux facilement retirer le padding. La culotte est une culotte taille haute. C'est pas très... c'est pas un tissu qui est vraiment flexible. Comme vous voyez, c'est vraiment... C'est ça l'espace de jeu que j'ai avec. Donc oui, j'aurais pu et j'aurais dû prendre un large. J'ai vraiment sous-estimé mes courbes. Ça vient les deux la même grandeur. Donc ici, je suis un médium, je fais un large. Là. Moi, je fais partie des itty bitty, comme itty bitty, des boobies. Là. J'ai pas une très grande, une très forte poitrine. Mais le popotin, il est là, par exemple, ok? Donc ça, j'aurais pu prendre un large ici et un médium ici, mais on peut pas combiner, ça vient les deux ensemble. J'adore les maillots de bain comme ça, en tube, surtout pour quand tu pars en vacances, les premières journées. J'aime ça mettre des tubes pour pas avoir de lignes de bronzage. Ça, c'est ma réflexion. Pourquoi j'ai un cheveu ici? Et aussi, j'aime que la culotte soit taille haute. Comme ça, si jamais le bedon, on a trop mangé au buffet, ben ça cache un peu. Je vous montre de profil ici. Ça cache quand même. C'est sûr, comme je vous ai dit, les filles, il va falloir prendre des tailles plus hautes. La qualité... quand j'ai été dans l'eau, comme je vais vous montrer hier, en fait, j'ai été à la plage avec ce maillot de bain. Ça n'a pas tendu. Des fois, il y a des maillots de bain que tu mets puis ça vient à la couleur fond dans l'eau. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, aucun problème. Même quand je m'essuyais, le vert est encore là, la couleur est encore belle. Alors, ouais, lui, j'adore. Lui, je le donnerais vraiment un 9-10. 9, 10 sur 10 parce que pleurer, il me fait bien. J'adore, il tient très bien. Je peux courir, j'ai même fait de l'exercice avec là. Fait que lui, je lui donne un 10 sur 10. Deuxième maillot de bain. Alors lui, je le considère comme mon premier L, ok? Vous entendez du bruit, c'est ma fan. J'étouffe, il fait très chaud. Donc, si jamais vous entendez du bruit, je vais m'ajuster, je vais parler un peu plus fort. Because your girl, j'ai pas encore un micro. Mais ça s'en vient, ok? Alors lui, je le considère comme mon premier L's, ok? Je vous explique. 1. Le haut du maillot de bain, je vais enlever le padding. Je vais juste me rapprocher comme ça, vous allez voir, ok? Regardez qu'est-ce que ça fait. Le padding, je sais pas, vous voyez, mais il est pas fait au complet. C'est juste une partie. Donc c'est un petit rond, alors que j'ai tout ça ici. Ça sert à rien. Mais ce que j'apprécie du maillot de bain, c'est que lui, il a des bretelles ajustable comme un soutien-gorge. Donc au niveau du soutien, le top ici, j'ai pas de problème, j'ai juste enlevé le padding. J'aime bien le petit détail ici, ça fait vraiment comme un peu effet bustier. Donc lui, le haut est vraiment fait grand, mais le bas est fait petit. Ça, c'est supposé aller en arrière, parce que en avant, oubliez ça là, ça va vraiment pas me faire. Le maillot de bain, comment il est fait, c'est que ça, c'est supposé être en arrière, ok? C'est une culotte complète. Mais en avant, c'est fait en V. Donc, on voit toute la peau ici, ok? Alors, ça, c'est vraiment très explicite. Je l'ai mis à l'envers. Déjà là, je ne voudrais pas le finesse, mais j'ai trouvé un moyen de le finesse, ok? Donc, ça, ça couvre. Je ne pourrais pas trop vous montrer avant que YouTube me flague, là. Vraiment, mais vraiment un G-string. J'ai pas eu le choix de le mettre comme ça. Parce qu'en avant, ça ne marche pas, ça ne cache rien, là. Tout est exposé là, je peux pas. Alors c'est pour ça que j'ai dû le mettre à l'envers, parce que c'est la seule moyen que je peux vraiment le mettre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de maillot de bain, moi ça me dérange pas. En vacances là, tout mon popotin il peut aller à l'extérieur, ça me dérange pas. Donc ça, j'aurais pas de problème à le mettre en vacances, ok? Mais c'est sûr, je le mettrai pas en famille là, si on va en famille faire une sortie à la plage, non, 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 ça c'est vraiment pas ce maillot de bain là que je vais choisir, ok? Donc lui, on peut attacher sur le côté, ici avec les bandes, donc ça c'est quand même quelque chose que j'apprécie parce que tu peux l'ajuster, mais ça c'est fait grand, puis ça c'est fait petit, donc ça marche pas vraiment, c'est encore une taille médium, puis c'est ça que je vous dis, j'aurais pu prendre un large ici et j'aurais pu prendre un médium, même un small ici, parce que lui il est vraiment, mais le top est vraiment fait grand. Vous voyez ici, la bande ici, là, j'ai vraiment eu de la misère parce que c'est comme deux crochets qu'il faut ajuster ensemble. Donc, ça n'a pas vraiment été facile de les mettre. Mais au moins, j'apprécie que c'est des bretelles. Vous voyez, comme si j'ajuste les bretelles parce que là, il est quand même grand. Je vais pouvoir avoir un certain support.
Mais le padding, ça pour le vrai, moi, ça me sert à rien. Lui, je vais l'enlever, c'est clair. Mais la couleur, j'adore. Ça fait différent d'avoir deux couleurs. Le bas ici, c'est comme des feuilles de palmier avec comme des genres de rose ici. Avec le jaune, je trouve que c'est super beau sur ma peau. En plus, j'ai bronzé. You know your girl that is tan. Je donne un 6 sur 10 parce que quand même, j'apprécie le haut. Mais le bas, ça va pas du tout. Je dirais que après le vert et blanc, le premier malbain, lui, c'est vraiment mon deuxième préféré. La couleur, j'adore. Je me sens comme la reine de la jungle. You know what I mean? The jungle, hey! Lui, je peux vous donner un 360. Alors, je vous donne un 360. Bien la couleur. Ok. Alors, celui-là, on est là vraiment avec... c'est quoi? C'est tigre? Je pense que c'est un thème tigre, animal de la jungle. Donc, celui-là, couleur orange. Les lignes sont vraiment noires. Et vous voyez, celui-là, c'est donc un maillot de bain triangle, le haut. Donc, tout est ajustable. C'est encore une taille médium. Et lui, je peux dire que c'est un vrai médium. Okay? Donc, on peut attacher dans le cou. Comme vous voyez ici. Donc, on peut attacher derrière le cou, derrière le dos. Et sur les deux côtés ici de la culotte, on peut ajuster. Je vais regarder par là, mais parce que mon miroir est là. Okay? Quand même, une bonne couvrance. On peut voir ici un petit peu, là, en dessous du bedon. Donc, on peut quand même l'ajuster. La culotte est une culotte, comment dirais-je? C'est semi-brésilien, semi-couvert. Quand je marche, c'est sûr que ça va rentrer un petit peu en arrière, mais quand même, ça couvre. J'adore. La seule chose, par contre, c'est comme un genre de plastique. Ça là, vous voyez l'effet? Ça, c'est sûr qu'après plusieurs lavages, ils vont commencer à se détériorer. Donc, je sais déjà que ce maillot de bain là, je vais pas le mettre souvent parce que plus je vais le laver, plus la corde va vraiment se détériorer. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais comme c'est vraiment un plastique, genre. C'est pas un tissu. J'aurais vraiment apprécié si ça aurait été un tissu, parce que au moins, ça aurait pas, tu sais, ça aurait pu durer plus longtemps, comprenez? Il y a encore du padding dans le haut, mais lui, je ne sais pas si c'est à cause de la couleur, mais il paraît moins, puis il me dérange moins. Comme il fait pas, il me donne pas de problème ici dans mon top. Donc, j'ai vraiment pas de problème avec celui-ci. Lui, je le donne un 9 sur 10. Pourquoi je le donne 10 sur 10? C'est vraiment à cause de la corde. C'est la seule chose. Si ça aurait été une corde en tissu, c'est clair, clair qu'il aurait été, t'es murder, comme super, super. Je devrais donner un 10 sur 10. 9 sur 10, j'adore. Parfait. Médium, c'est vraiment un vrai médium. Et on va passer au dernier qui est vraiment, mais vraiment le plus explicite là. Allons. Damn! Ouais, je sais pas trop par où commencer, ok? Premièrement, je sais que ici, je sais que c'est pas du tout supposé être comme ça. Il va vraiment falloir que je retourne voir l'image de la fille, voir comment elle l'a attachée. Parce que ça fait beaucoup de cordage, ok? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cordage. Lui là, il va falloir que je me trouve un chum pour aller en vacances avec lui. Parce que c'est vraiment ça, ok? C'est vraiment... I need a vacation. Booty all out. Take a bacon. Okay? Because booty is all out. All out. C'est pas je vais à la plage en famille ou même les filles en vacances. Ouais, mais je trouve que c'est beaucoup. Je l'ai pris pour vraiment sortir de ma zone de confort. Parce qu'il pleurait. J'aurais jamais osé prendre un maillot de bain comme ça avant. Mais je l'aime. Il est vert. C'est vraiment beau. Vous voyez? C'est comme un genre de peau de serpent, ok, c'est en tissu, la corde que je vous disais, la corde est en tissu. Lui, par exemple, la corde dans le cou, on peut pas l'attacher, ça vient déjà comme un cercle, ok. La seule corde, les seules cordes que tu peux ajuster, c'est vraiment les cordes de la culotte en bas et la corde du milieu. Ça fait beaucoup de cordes, ok. Tu me passes la première journée là pour bronzer, très exposé. Je sais pas qu'est-ce que ma maman va me dire quand elle va voir ça. Je me sens vraiment à l'air. Et juste pour vous donner une idée, c'est la même chose en arrière. Donc, tout ici, là, c'est très exposé. C'est pour ça que je dis que ça, c'est vraiment là avec ton mari ou ton copain. Vous partez en vacances dans le sud, puis c'est une journée, tu veux vraiment être ouh là 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 là. C'est vraiment ça, ok? Taille médium, même chose.
Ça me fait super bien. Je donne quand même un 8 parce qu'il est quand même beau. C'est le style. Alors, pour les maillots de bain, c'était tout. Je vais vous montrer les deux autres articles que j'ai achetés. J'ai acheté une robe et aussi un collier parce que justement, il me manquait quoi, je pense, un 5 ou 10 dollars pour avoir la livraison gratuite. Donc, je vais vous montrer la robe puisque je me suis dit, les maillots de bain, ça avait l'air vraiment quand même de bonne qualité. J'ai voulu essayer de voir une robe pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Alors, on va essayer une robe. Voilà! Le dernier article que j'ai commandé, c'est cette robe. Je vais m'avancer très doucement parce que ici, ce n'est pas très sécurisé. Ok? Je vous donne un 360 de la robe. Alors, le dos complètement ouvert. C'est magnifique. Déjà à dire, c'est que à date, je trouve que le vêtement a une meilleure qualité que les maillots de bain. Ok? La robe, extrêmement, voyez, flexible. Ok? Elle m'arrive, je dirais, un peu en haut des genoux, mais on peut quand même la descendre. Là. Je peux trouver un moyen de jouer avec. La couleur, magnifique. Vraiment une belle couleur corail. Ok? Le tissu n'est pas transparent. Donc, sous-vêtement ou pas, on va pas le voir. Ok? Je vous dis sous-vêtement ou pas parce que je sais qu'il y a des filles qui ne mettent pas sous-vêtement quand ils ont des robes comme ça, mais celle-là, on va pas le voir. Okay? Je pense pas que vous arrivez à voir. Mais c'est vraiment, c'est fait avec un ruching. Donc, tout le côté en arrière, surtout, ça va. Like, you see the shape? Come on, this, yo. Le dos complètement ouvert, ça vous fait vraiment mais un dos magnifique. Le mot de ce try and haul, je dirais que c'est vraiment exposé, ok? On est vraiment exposé. Vous pouvez pas mettre de brassière avec ce top-là, on oublie ça. Donc, si vous avez une très forte poitrine, je ne sais pas comment ça va avoir de l'air. J'ai pas une forte poitrine, mais quand même, va falloir mettre, je pense, du tape dessus, ok? Va falloir les attacher, les sécuriser, parce que ça risque de déborder ici et ça le fait encore. On peut l'attacher, la robe, c'est comme ça qu'on l'attache, c'est vraiment dans le cou, ok? Mais c'est sûr que juste comme ça, j'adore la robe, la qualité est très flexible, j'adore. J'ai rien à dire. Celle-là, je vous donne 9 sur 10. Ok? 9 sur 10. C'est juste ici, il va falloir vraiment trouver du thé pour pouvoir les sécuriser. Ça fait vraiment un très beau thé. Comme. Et puis beaucoup de côté aussi. Le boobies sur le côté. Ok? Donc, ça va falloir que je sois quelqu'un qui m'a mis dans un rendez-vous. Là. Comme. Alors voilà le dernier article que j'ai acheté. C'est un collier avec 3 petits papillons. Donc, il y a un mauve, un orange et un jaune. C'est tellement mignon. Le collier, quand je l'ai vu sur le site, j'avais l'impression que c'était un seul collier. Mais c'est bien 3 différents. Donc, ça veut dire que vous pouvez les mettre ensemble comme vous pouvez les mettre séparés. Parce qu'ils ne sont pas de la même longueur. Comme vous pouvez voir, le mauve est beaucoup plus long. Le orange est comme le moyen. Puis le jaune est vraiment plus petit. Donc vraiment, vous pouvez mettre les 3 ensemble ou séparés. Je trouve que c'était tellement mignon. Puis ça fait vraiment comme couleur été. Donc ça, c'est le dernier article que j'ai acheté. C'est ce collier-là ici. C'était vraiment pas cher. Comme je vous ai dit, vous allez trouver les liens de tous les articles que j'ai achetés dans la barre d'infos. Voilà mon try and haul, mon essayage, comment ça s'est passé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu parce que ça m'aide vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de aussi cliquer sur la petite cloche parce que vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos. Non, vous ne voulez pas. Soyez vigilants, soyez prudents et on se revoit dans une autre vidéo. Peace!